Ce que nous avons voulu faire avec cette journée et ce rassemblement symbolique ici, des personnels de France 3 ici à Toulouse, tout simplement parce que le comité de soutien ainsi que la présidence de France Télévisions ont décidé de marquer symboliquement ce jour, puisque ça fait 9 mois que Hervé et Serge sont dans les montagnes afghanes. Donc voilà, nous associons bien évidemment à toutes les actions du comité de soutien et de la présidence de France Télévisions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on a marqué par ce rassemblement ce matin à 10h ici ce soutien à ces deux confrères que personnellement je connais bien parce que j'étais rédacteur en chef dans le temps à la rédaction nationale de France 3 et Serge et Hervé étaient des journalistes avec lesquels je travaillais régulièrement et je peux dire qu'évidemment au-delà de ce rassemblement c'est pour moi quelque chose de très important que l'on puisse avoir ce petit moment avec eux et que l'on partage. Voilà. L'actualité nous montre que de par le monde il y a d'autres personnes aussi qui sont prises en otage sur des murs publics ici même à Toulouse. Évidemment, il y a des signalétiques qui rappellent que nos deux confrères et leurs accompagnateurs sont toujours otages. Donc je pense que dans l'opinion publique, personne n'oublie. Mais même au-delà, évidemment, des personnalités et de ces deux journalistes, il y a plein d'autres personnes aussi qui sont dans des situations difficiles. Et je pense que l'opinion publique n'oublie pas, évidemment, ces personnes qui sont dans des situations difficiles.